De cinéma italien et dans les années 70, effectivement, nous avons vu ce film et je crois ne pas dire de bêtises en disant que Visconti a rendu cette malheur populaire alors qu'il était plutôt en disgrâce jusque-là. Exactement, exactement. Il n'était pas en odeur de sainteté chez les mélomanes et chez les musiciens. Pierre Boulez en disait pique-pendre. Il l'a changé puisqu'il a enregistré l'intégrale de sa symphonie. Et voici pour vous la L'Adagietto de la 5e symphonie. C'est l'Adagietto sublime, Adagietto avec des cordes uniquement de Gustav Mahler, qui nous rappelle évidemment Mort à Venise. Mahler, c'est un compositeur qui vous interpelle, Thomas Fersen, comme on dit.
J'étais un enfant contemplatif effectivement cette musique est un soutien aux rêves et aux sentiments. Mon père me reprochait, j'entends souvent encore mon père me reprochait d'être toujours derrière une fenêtre en train de regarder la lumière, le vague, perdu dans mes rêveries. À l'école aussi, j'étais assez rêveur. C'était un handicap d'ailleurs. J'ai transformé ce handicap en avantage quand j'ai commencé à écrire des chansons, puisque c'est dans ces rêveries que je trouve l'essentiel de mes chansons. Ouais. Et la musique, c'est venu, je crois, avec votre grand-père. Alors mon grand-père était pianiste, vivant à Rouen. Il était contraint pour subvenir à sa famille, aux besoins de sa famille, de travailler à mi-temps dans une banque et de jouer dans les bals et également dans un salon de thé, ce qui contrariait beaucoup. Il écrivait, il a envoyé ses partitions à Paris sans succès. C'était à mon sens très beau, c'était un vrai musicien contrairement à moi. Et ma mère a récupéré des partitions à sa mort. Et donc nous les avons conservés et même fait jouer pour que ma mère puisse réentendre ce qu'elle entendait dans sa jeunesse, c'est-à-dire ma mère est née en 34, donc je parle de l'entre-deux-guerres et du juste après-guerre, quoi. Quand vous dites que vous n'êtes pas un vrai musicien, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai pas de formation. Que je suis un imprégné, que j'ai une sensibilité musicale, mais que j'ai pas de formation. Hein. À part celle, enfin j'ai pas de formation, j'en ai une quand même, parce que j'ai pris des cours de guitare, j'ai appris l'harmonie avec un professeur de jazz, j'ai pris des cours de chant, mais donc vous êtes modeste. Non, c'est-à-dire que j'ai un cheminement un peu sinueux, j'écris mais très mal la musique, et je la lis très mal aussi, mais je l'ai fait quand même, j'ai écrit mes arrangements, je suis un tout petit élève, voilà. Bien, on va voir comment la musique est entrée dans votre vie, Thomas Fersen, après une petite pause.